Small Wave in the Dark, nous incarnons Echo, l'avatar d'un enfant ayant vécu un événement. Pourquoi l'image elle est partie? L'image elle a disparu? Mais what the fuck? L'image elle a disparu sous mes yeux! Merci Aquarius! Et merci pour le follow, merci beaucoup. Attendez, je vais chercher. L'image a disparu sous mes yeux quand j'ai extrait le truc. Bon, je sais pas. Bougez pas, je vais juste chercher l'image. Ok, Small Wave in the Dark. Nous incarnons Echo. Attendez, faut que je m'avance. Nous incarnons Echo, l'avatar d'un enfant ayant vécu un événement traumatisant qui s'est refermé sur lui-même. Faisant petit à petit disparaître le monde autour de lui, son but était d'éviter de se confronter à cette réalité. Maintenant noyé dans l'obscurité, Echo doit explorer son palais mental, échapper à ses démons et résoudre des énigmes grâce au bruit qu'il produit et à la lumière qui en découle. Echo doit donc naviguer à travers cet univers comme un aveugle dans un monde de bruit. Et arrivera-t-il à retrouver sa lumière? Et nous allons tester ça maintenant. Echo. Pourquoi Echo, c'est un prénom. C'est un prénom. J'ai pas eu l'impression d'avoir parlé d'autre chose. Hop. Petite musique trop mimi. Hop. Ok, bon, on va découvrir ça. Rendre muet, évidemment. Non. Ok, nouvelle partie, c'est parti. On parle de l'autographe. Ah, ok, je sais pas. Mais attends, mais c'est trop bien. C'est en fonction de la musique et tout. Ok. Trop stylé. Echo, c'est un dauphin horrible. Je sais pas. Oh. Mais attends, mais c'est trop joli. En plus, j'aime beaucoup la vue comme ça, là. C'est une vue... Alors... C'est une vue 3D et j'allais dire un truc mais c'est pas du tout ça. Mais c'est une vue 3D et j'aime beaucoup mais en comme ça là de côté comme en isométrique sauf que là on est sur de la 3D. J'arrête. J'abuse toujours de ce qu'on me donne, hein. Ok. Oh! Trop bien. En tout cas, je trouve ça super joli. Vraiment, hein, je... Merci Lyon, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. C'est... Non, ça il veut pas. Ah, je peux rester appuyé pour que ça dure... Et j'ai découvert ça toute seule sans tuto, vous avez vu? Oh, voilà. Avouez, je suis trop forte. Je suis trop forte. Non mais voilà. Oui, il y a un jeu d'horreur sur le même principe du son, mais on voit vraiment rien dans le jeu d'horreur. Vous n'avez rien vu. Regardez. Oh,
Mais vous avez une save ici en plus. Oh non mais alors là, incroyable. Du coup là il y a un mur, vous avez vu? Oh oh oh, disparition. Tout va bien, tout va bien. Mais on a des saves, mais c'est trop bien. Moi j'adore quand il y a des saves parce que je casse souvent les trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ok, d'accord. J'ai capté. J'ai capté. Pas de problème. Mais ça va, vous allez pas me détester, j'espère, hein, parce que... Mamie, elle fait plein de bêtises aussi. Hein. Alors, il me semble... On va aller là. Hop. Et là. Oh, oh, mais c'est trop beau. Oh. Pourquoi la zone maudite? C'est un contenu bonus, c'est vrai? Ah, ok. Et attendez, mais là, du coup... Du coup, là, il se passe quoi? Du coup, là, je suis bloquée? C'est ça? Non, mais même ton contenu bonus, il est beau. Il y a la porte en bas. Trouver. Et du coup, c'est pas ici qu'il faut aller. Oh non. Je suis bloquée. Oh non. Mais je suis bloquée. Attends. Genre... Non mais... Non dvoré. C'était jamais encore arrivé? Bah écoute... Nous y voilà. Donc on va pouvoir recommencer le jeu. On va recommencer le jeu en entier. Ouais ouais, c'est ce que je vais faire. Nouvelle partie. Bah vous savez du coup... Vous savez que la save est corrupte. Mon PC... Il fait beaucoup de trucs comme ça, hein. C'est peut-être que mon PC, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais j'ai perdu beaucoup de saves de jeux qui ont été corrompus. Je pense que je martyrise un peu trop mon PC. Il y a deux jeux d'horreur, on les a fait en une soirée, et ben en une soirée on a perdu les deux saves. Voilà. Du coup on a abandonné les jeux d'horreur. En tout cas je trouve vraiment très joli, hein. Pour le coup, waouh. J'imagine que... Le thème, c'est... C'est la perception... Je sais pas, hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? Merci
Alexandre, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi. Ah oui, ok. Ok. Yes. Le refait, merci beaucoup pour le follow aussi, merci. Oser l'inconnu, bah après on rappelle que c'est un enfant qui a vécu une expérience traumatisante et qui du coup... Oh, mais c'est magnifique hein. C'est oser l'inconnu. C'est ça le thème. Ah non, oui voilà, tu dis bravo parce que je suis arrivée à la fin. Pour avoir passé le niveau, bah oui. Oh, non mais... Oh. Qu'est-ce que c'est? Non, 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 je suis personne. Ok. Il verra pas lui. Non, 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 jamais. Oh. Oh non. Oh bon ami, voyons. On repop ici. Ah, j'ai cliqué ailleurs. J'ai pas cliqué sur la bonne touche. Ah. Le thème... Catafol, pourquoi toi? Merci beaucoup Kata, merci à toi pour le raid, comment s'est passé ton live? Pourquoi t'étais aujourd'hui? En vrai, c'est... il a vécu une expérience traumatisante, c'est trouver son chemin par ses propres moyens. Oh. Ah bah c'est la fameuse zone. C'est la fameuse zone. Ah, il était sur GTA 5, ok. Mince. Trop cool alors. Attends. Ah là. Non, 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 non. On m'a pas vu. Ok. Alors attends. Essaye de comprendre à quoi... Ok. Ah. Allez vite. Non, ils viennent vers moi. Mais ça va bien, merci Kata, ça va très bien. Ok, là. Là. Attends. Là. Ça, ça en ouvre là-bas. Ok. Let's go.
C'est joli ça. Ça c'est moins joli. Hein. Non 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 non, j'ai pas peur. Pas peur. Ok. Ok. Ah là 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 là. Ok, c'est good. Oh, mais il est trop bien. Attends. Est-ce que... Ah ! Je vois, je vois. Intéressant. Non, 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 non. Mais c'est pas juste. Ok. Ok, ok, recommence. Bah oui, du coup, c'est ce que je fais. Attends, tu vas voir. Easy. Ouais, on rappelle nos créatures, là. Bah non, j'ai pas de créatures. Oh non. Ah, fais-toi tuer, ok. Ah oui, ok. D'accord. Oui, 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 d'accord. Du coup, là... Eh bien... Non, ça fait rien. Ok, ça fait rien. Sont tombés avec toi, bah oui. Ok, ok. Oh, la musique est douce. Donc là. Ça on a pris. Et là du coup. Attendez. Ah non. Qu'est-ce que c'est? Je suis passée? Comment ça je suis passée? Je n'étais pas censée passer là. Hein. Je reconnais. Hein. Je n'étais pas censée passer. Hein. J'ai un peu arnaqué le système. Hein. Si, si, ah ouais. Ok. Alors, on va récupérer ça. Ouais, ouais, c'était bon, ok. Parfait. Par contre, j'ai plus mes petites... plus gudules, là, avec moi. Salut, Europa, ça va et toi? Comment vas-tu? Ok. Donc là. Ok, c'est good. Je commence à comprendre. Oui, il y a pas de souci, bon app. Bon app, Kata. J'ai hacké le jeu? C'est vrai? Comment ça j'ai hacké le jeu? T'as réglé le problème? Ah bon? C'est... Comment ça? Comment? Ok. Attends.
T'as pu les lancer quand même, bah... En fait, je me suis mis là-dessus. À moins que... Attends. Il a l'air corsé ton jeu, bah ça va. Mais attends, il faut faire quoi maintenant? Tu te calmes. Il est beau, hein, il est magnifique, hein. Eh, mais voilà. Ok. T'as un chrono, non? J'ai pas de chrono. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben écoute, là comme ça, il est sympa, hein. Pas trop compris le jeu, bah c'est parce qu'en même temps tu viens d'arriver au repas, alors c'est normal. Thème, c'est la lumière et l'obscurité, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre que ce soit ça. Non! J'ai forcément loupé un truc. C'est le dernier niveau, ok. Il y a forcément un truc que je manque. Colle-toi au socle cube. Ok. 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 Oh ! Et oui, on a fait sonner les carillons. Oh ! Mais c'est vraiment trop beau. Ah ouais, non, graphiquement, c'est beau, hein. L'obscur est un chemin, la lumière est un lieu. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. La créature a les clés. Mais maintenant, il faut se mettre au centre pour ouvrir la porte, c'est le niveau. Des bugs, c'est normal que tu sois perdu. D'accord, ok, je vois à pied. Sur le coup, je mange avec vous. Il n'y a pas de problème, Kata, t'inquiète. Mais attends, incroyable. Un petit bug de cinématique. Bon, c'est pas grave. Salut, Ami Rouge, coucou à toi, comment vas-tu? Merci, Happy, merci beaucoup pour le follow. Oh, non, vraiment, j'ai... Waouh, genre vraiment, je suis sans voix parce que le... Enfin, je sais pas, c'était beau de fou en fait. C'était beau de fou. Pour le thème, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que là, moi, ce que j'ai ressenti, c'est le son qui me faisait avancer en fait. Donc, c'est pas la lumière qui te guide, c'est le son. Le son guide tes pas. C'est ça le thème. C'est le son. Vous voulez le thème? Ah, on essaye de deviner, Aquarius. Mais tu peux nous donner des indices ou nous dire si on s'en rapproche ou pas. C'est très proche, ok. Je connais juste un style, mais je sais plus le nom. Il y en a plein. Hein. Mais là, c'est fait par des étudiants, Kata.
Coucou Tonton, coucou à toi. Le son fait de la lumière. A plus B égale C. Si tu veux, Braquise. Le thème était aussi sur le doc. Ok. Alors attends. Attends. Hop. Le doc, évidemment, qui. Voilà. Attends. Elle doit explorer son. Echo doit explorer son palais mental. Au bruit qu'il produit et à la lumière qui en découle. Un aveugle dans un monde de bruit. Ah, étudiant, super, ils ont. Ouais, 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 mais là, on en a fait 7 et franchement, 7, c'était vraiment sympa. Nous incarnons Echo, l'avatar d'un enfant ayant vécu un événement. Il est aveugle. Ce qui est. Et se guide avec le son. Ouais! Bah ouais, bah en même temps, vous avez super bien bossé. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit le son guide tes pas. Le bruit. Le bruit te montre la lumière. Le bruit te montre la lumière. Je sais pas. Spider a quelque chose. Elle est aveugle et se guide avec le son. C'est aveugle dans un monde de bruit. Ah oui, du coup, oui, c'était vraiment comme Spider. Ok, bah franchement. Genre, trop beau. Genre vraiment trop beau. C'était. J'ai adoré. La salle pleure. Apparemment, vous pleurez. Bon, je suis désolée de vous avoir fait pleurer, chers élèves. Mais en tout cas, vraiment top. GG à vous. Un gros GG.